Hello! Donc comme vous commencez à le savoir, je fais les favoris à peu près tous les 3 mois, donc un par saison, on va dire. Là, on va parler de mes favoris du printemps, puisque nous sommes en été, donc je vous parle de ceux que j'ai déjà utilisés. Alors je vais commencer par deux flops. Donc c'est pas vraiment des flops parce que ce sont des bons produits, mais qui ne me conviennent pas, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, on a la poudre libre de chez de Révolution Pro, donc la translucente loose finishing powder, donc qui est une transparente. Alors elle est hyper fine, je sais pas si vous voyez, elle est vraiment super super fine, donc elle lisse vraiment le grain de peau et tout. Pour ça, elle est géniale, mais moi, elle m'assèche totalement la peau. Déjà ici, avec la chaleur et tout, ça s'est déjà asséché alors que c'est une autre poudre. Mais ça me fait vraiment des espèces de croutinettes en fait. Dès que je bouge un peu, que j'ai des expressions, ça me fait vraiment des ridules. Enfin, ça fait un truc dégueu quoi. Ça fait vraiment pas beau, ça fait pas naturel et ça fait vraiment une peau de mamie. Donc voilà. C'est dommage parce qu'elle est pas chère, elle est super fine, elle est super douce. Franchement, j'adore. Quand on l'applique, elle est super, mais au bout d'une heure, j'ai la peau complètement déshydratée. Et toujours de chez Révolution Pro, décidément, c'est le crayon à sourcils, donc c'est tout fin comme ça. C'est celui que j'ai aujourd'hui, je l'ai utilisé pour la vidéo que vous aurez mercredi. Donc la pointe est fine, je peux pas dire le contraire. De l'autre côté, vous avez un petit goupillon. Voilà. Le produit vraiment pas cher non plus, forcément, c'est Révolution, donc c'est pas, voilà, c'est pas cher à la base. Moi je le trouve trop orangé, donc là j'ai remis un coup de mascara à sourcils, enfin ouais, de mascara à sourcils. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors sur la main, ça va encore à peu près, mais je trouve qu'une fois que je le mets sur mes sourcils, en fait, il a un côté un peu roux, cuivré, orangé, comme ça, que j'aime pas trop en fait. Et moi je l'avais acheté pour faire du poil à poil en tête de sourcil, et du coup je le trouve trop sec et pas assez précis. Donc bah voilà, bon, c'est un petit crayon rétractable, donc il n'y a pas beaucoup de produits dedans, donc je vais quand même l'utiliser, je vais pas le jeter, mais voilà, j'aime pas trop. Alors dans les favoris, on va commencer par les soins. Je crois que je fais toujours ça de toute façon. Donc on va commencer par les soins quoi? Les soins cheveux? Allez, les soins cheveux. Donc une découverte très récente, je viens de le découvrir. Ça fait que 2 ou 3 shampoings que je fais avec, mais je suis tombée en amour avec. Alors je ne sais pas si c'est nouveau ou si ça existe depuis longtemps et que c'est moi qui suis encore en retard de cinguère comme d'habitude, mais voilà, c'est le Timothée pure nutrition et légèreté, lait de coco et aloe vera, 100% d'origine naturelle, shampoing pour cheveux normaux à sec. 0% de silicone et 0% de colorant. Il y a 94% d'origine naturelle dedans. Il est génial. Alors non seulement il sent divinement bon, je vais le dévisser parce que sinon je vais faire une catastrophe le soir. Alors, il sent vraiment. On sent pas trop la coco. Il y a une petite arrière-odeur comme ça de coco, mais vraiment très léger. Mais on sent l'aloe vera à plein nez et j'adore. Mon mari adore. Alors ça, il n'y en a pas tout le temps chez Action, mais c'est les jus à l'aloe vera. Il adore ça. Moi, je trouve ça dégueulasse, mais lui, il adore ça. Et ça sent pareil, en fait. Et franchement, il est top. Et mes cheveux sont vraiment super bien hydratés. Voilà, un petit coup de lissage, je leur ferai pas de mal, parce que là, ils ont un peu morflé avec la chaleur hier, parce que j'ai été un peu au soleil, chose que je ne voulais absolument pas pour pas me bronzer, mais trop tard. Ils ont pris un petit coup de chaud, j'ai l'impression, et je les ai pas lissés depuis deux shampoings. Mais vous voyez qu'ils sont quand même relativement, ils sont brillants, ils sont légers, ils sont hydratés jusqu'au point. Bon, après. Forcément, je mets l'autre produit, je vais vous montrer juste après, et je remets encore de l'huile par-dessus. Mais franchement, topissime. Et le deuxième produit, cheveux, donc c'est un masque ben pour les cheveux de la marque Nathéis. Donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Ils sont vraiment pas chers, je ne saurais plus vous dire le prix comme ça. Ils sont moins de 5 euros, ça j'en suis sûre. Alors il a un aspect, donc il y a même des cheveux dedans. Il sent bon, et je ne sais pas si vous allez voir, mais. C'est un peu comme du yaourt en fait. Vous avez l'impression de vous étaler un yaourt sur les cheveux. Mais alors l'hydratation, elle est géniale. Donc il y a deux sortes, enfin dans mon Leclerc, il n'y a que deux sortes. Il y a celui-ci, c'est cheveux secs ou abîmés. C'est à l'huile d'argan et au jasmin. Donc c'est un masque nourrissant, nourrit, sublime et répare sans silicone. Ingrédients naturels.
Donc, pour celles qui aiment le naturel et les trucs pas chers, franchement, celui-ci, parle un peu français, est topissime. J'ai acheté l'autre, je sais plus, celui-ci, c'est à l'huile d'argan et jasmin, et l'autre, c'est... Je saurais plus vous dire comme ça, j'ai acheté l'autre pour tester une fois que j'aurai fini celui-là, et après je verrai lequel je préfère. Mais je pense que j'alternerai les deux à chaque fois. Ensuite, pour les soins à visage, je vous les montre dans l'ordre que je les utilise. Bon, d'abord celui-ci. Donc, celle-ci qui a place Baume B5, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines anciennes vidéos. Il m'a vraiment sauvé la mise. J'avais un Roberto ici. Donc quand c'est un bouton de fièvre en fait, mais quand j'ai un bouton de fièvre, ça s'étend toujours, c'est toujours ça s'infecte, ça fait, il y a du pus, il y a des croûtes, c'est tout rouge. Et puis je croyais que j'en avais plus en fait, je croyais que j'avais terminé et j'ai retrouvé dans ma table de nuit. Ouais. Et j'ai commencé à le mettre et au bout de 3 applications, donc j'en mettais 3 fois par jour à peu près, mais le lendemain ça a déjà commencé à cicatriser, à disparaître, et au bout de 3 jours j'avais juste qu'une toute petite rougeur qui me restait, et au bout de 4 jours plus rien quoi. Ce truc est vraiment magique, donc il est vraiment bon pour énormément de choses. Là je l'ai presque fini, dès que j'ai fini je vais m'en racheter un. Je l'utilise aussi des fois sur mes piqûres de moustiques en fait, enfin je sais pas si vous verrez, mais quand je me fais piquer ou des choses comme ça, j'ai tendance toujours à gratter à sang. Après, une fois que ça a une croûte, j'arrache toutes mes croûtes, hein. Voilà, c'est à savoir, c'est une passion chez moi de m'arracher les croûtes. Donc je mets ça par-dessus et au bout de quelques jours, c'est complètement soigné. Ensuite, j'ai un sérum que j'ai acheté chez Tati. Donc c'est la marque La Vie est à nous. Ouais, on ne sait pas bien dire, mais c'est ça. C'est celui à l'orchidée blanche. Donc c'est un sérum liftant à l'orchidée et plus polypeptide. Franchement, ce truc, c'est de la bombe atomique. Là, je viens d'acheter la crème de jour pour tester, pour aller avec. Et je l'ai mis ce matin. Et ma peau est toute hydratée, toute lisse. C'est génial. Le seul truc qui manque dans la crème hydratante, ça serait un petit SPF. Mais il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, je l'ai mise vu que je ne sortais pas. Franchement, pour le prix, je crois qu'il est 6,99€. Enfin, les produits, parce que j'ai la gamme complète. Du coup, je vais vous parler du contour des yeux juste après. Ils sont entre, je vais dire, 6-7€ et 10€, il me semble. Quelque chose comme ça. Et franchement, j'ai été me rechercher un backup tellement je l'ai aimé. J'ai même trouvé qu'il illuminait la peau quand je le mets. Il est vraiment génial et il est moitié prix, voire presque 3 fois moins cher que le L'Oréal que j'ai acheté récemment. Donc, tout bénéf quoi. Avant de parler du contour des yeux, enfin des contours des yeux, parce qu'il y en a deux, j'ai 2 autres produits, donc un lot de produits de chez Révolution. Donc j'avais jamais trop testé les soins chez eux et là je suis tombée en amour de ces 2 sprays là. Donc oui, je suis une accro des sprays hydratants parce que ben en fait ça va beaucoup plus vite que d'étaler une crème, bien que je mets une crème par dessus. Donc au final ça change pas grand chose, je m'ajoute juste une étape à mes soins, mais j'adore. Donc ici vous avez le hyaluronique, donc qui est un spray hydratant à l'acide hyaluronique qui sent le pamplemousse, donc il sent divinement bon, c'est vegan et cruelty free. Vous avez 100 ml dedans pour 6,99€ de mémoire. Donc bien sûr, tous les produits, je vous mets en barre d'infos la playlist de tous les hauls, comme ça si vous voulez connaître exactement les prix des produits que je vous parle, les 3 quarts se retrouvent dedans de toute façon. Et ceux qui ne sont pas dans les playlists sont souvent, je vous les partage souvent sur, en story sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, c'est juste ici, vous avez les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à venir me suivre. Donc voilà, il sent divinement bon. Donc celui-là, c'est celui en principe que je mets le soir ou je le mets le matin quand je ne me maquille pas. Et le super fruit qui sent donc la blueberry, la myrtille. Il me semble que c'est la myrtille. Enfin, il sent vraiment le fruit rouge quoi. Et franchement, c'est génial. Et c'est un spray régénérant aux fruits. With blueberry extract. Donc toujours vegan, cruelty free, toujours 100 ml. Et celui-ci, il... comment est-ce qu'on dit, il enlève un peu le côté terne de votre teint et je trouve ça génial. Franchement, je l'adore. Donc celui-ci, je l'utilise le matin avant de me maquiller. J'ai plus de batterie, je savais. Enfin, avant de me maquiller, enfin, j'utilise le matin quand je sais que je vais devoir me maquiller sur la journée pour unifier mon teint déjà un petit peu. Ensuite, j'ai une crème de jour de la marque Crodmat, donc si vous ne connaissez pas, c'est en Belgique, je suis désolée.
Donc c'est la marque, bah, c'est la marque Red Vat, forcément, tu viens de le dire, copain. C'est la gamme Lifting. Et dedans, vous avez un SPF de 15. Seulement pour les UVA. Je viens de voir ça, c'est marqué. C'est pas marqué pour les UVB, mais il y a un SPF 15 et c'est une crème donc, pour l'élasticité de la peau et le renforcement et tout ça, les contours et tout ça. Donc elle est très bien, elle pénètre très vite dans la peau. Maintenant, comme toutes les crèmes hydratantes, donc vous voyez que j'ai déjà bien étudié, elle sent bon. Comme toutes les crèmes liftantes, elle a tendance à pelucher si vous l'étalez de trop. Donc c'est pas que la crème est mauvaise en soi, c'est juste quand il y a un effet liftant dedans. En fait, la crème liftante, si vous voulez, c'est comme si ça vous mettait un barésie comme ça, tous des petits carreaux sur la peau pour bien la retendre. Et si vous frottez trop, vous allez casser les petits carrés et ça fera des peluches. En fait, le mieux, c'est de ne pas trop l'étaler et de la laisser absorber par la peau. Mais voilà, j'adore. J'ai deux contours des yeux. Donc, il y en a un que je mets quand le soir. C'est le soir ou quand je ne me maquille pas. C'est de la même gamme que le sérum de chez Tati. Donc, c'est le concentré contour des yeux anti-âge fermeté. Alors qu'il est blanche toujours, mais celui-ci, alors je vais essayer de vous montrer, il a une texture assez, c'est un gel en fait. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Alors il sent, alors, je sais pas si celles qui connaissent, si vous allez me le dire, mais quand je le sens, moi je trouve qu'il sent la barbe à papa, je ne veux rien avoir. Donc vous voyez, c'est une texture gel assez épaisse, donc elle hydrate bien le dessous de l'œil, elle sent super bon, elle rafraîchit, mais elle laisse un léger film, je vais pas dire gras, mais on sent qu'on a quelque chose sur les cernes, donc moi je le mets pas avant de me maquiller parce que j'ai peur que ça me fasse migrer l'anticerne et tout ça. Donc le matin où je me maquille, ça va couper, je le sens, j'utilise celui de chez Révolution. Donc c'est le 5% caféine solution plus acide hyaluronique acide. C'est écrit en français juste en dessous. Donc Under Eye Serum, toujours vegan, cruelty free, 30 ml pour... C'est 5,99 ou 6,99, je ne sais plus, faire 99. Alors, ce qu'il y a, c'est que, j'ai essayé de vous montrer, il est hyper, hyper liquide. C'est de l'eau, en fait, le bazar. Donc, ils disent de mettre une ou deux gouttes sous les yeux. Quand vous voulez mettre une ou deux gouttes, si vous faites comme ça, il y en a trop. Si vous le mettez sur le doigt, la goutte, elle se barre avant que vous ayez le temps de l'appliquer sur le contour des yeux. Donc, moi, ce que je fais, en fait, je prends ma pipette et je frotte un coup comme ça. Un coup comme ça sur le cerne et ensuite je l'étale et ça va tout seul. Donc je me sers pas de la pipette en tant que pipette mais en tant qu'applicateur. Mais ce truc là, il est génial. Après, attention, c'est une bouteille en verre, donc si pour le transporter c'est pas l'idéal. Dernier soin, et je pense qu'après j'irai recharger ma batterie avant de faire le make-up, c'est le Bio Beauté, le baume lèvres réparateur au beurre d'abricot, donc de chez Nux, la gamme bio de chez Nux. Lèvres sèches ou gercées, donc j'adore ce produit. Je le mets en couche très épaisse souvent le soir. Donc là, c'est un testeur que j'avais eu quand je travaillais, donc il est assez vieux. D'ailleurs, je pensais même au départ qu'il était foutu. Et puis finalement, il l'est pas, donc je dis que j'allais essayer de le finir parce que je retrouve plus mon Nux, le rêve de miel, qui est mon baume à lèvres préféré, réparateur préféré de tous les temps, mais je trouve plus. J'avais deux pots, hein, on trouve plus. Hein. Donc c'est un gel translucide comme ça, un peu jaune. Puisque c'est à l'abricot. Et il est assez collant par contre. Hein. Il faut faire. Enfin, quand vous l'avez, j'ai tendance à bouffer mes cheveux en même temps parce que. Et ils sont bons l'abricot. Mais il est bien réparateur. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Il est quand même assez collant. Donc je vais quand même passer rapidement au produit make-up jusqu'à ce que ma caméra s'éteigne. On verra bien ce qu'on en est. Alors en accessoire, j'ai les éponges IMAX. Ah, mais. Quel bonheur, il y a un poil, quel bonheur d'éponge. Alors la toute petite pour le contour des yeux et la grosse pour le teint. La moyenne, je n'ai pas encore utilisé, mais bon, la moyenne, je pense que je peux tout faire avec. Même celle-ci, hein, si j'ai envie de faire le contour des yeux, c'est juste que j'ai la petite, autant m'en servir. Mais elles sont super souples, super douces, elles gonflent super vite, elles se nettoient super, enfin vachement mieux. Enfin voilà, je les préfère au Beauty Blender. C'est Marion de Caméléon qui les a testés, qui les a conseillés. Et franchement, j'en suis pas déçue du tout parce que c'est la première fois que je trouve une éponge que je préfère au Beauty Blender en beaucoup moins cher. Parce que c'est quand même 10 euros les trois. Donc la petite, la moyenne et la grande. Donc j'adore. Je vais m'en racheter. Enfin, il faut que je m'en recommande pour en avoir en stock parce qu'elles sont trop bien.
On va passer dans l'ordre de make-up. Donc tout d'abord, j'ai un spray hydratant que j'utilise avant chaque make-up. Avant, j'avais celui de chez Essence, que j'aimais beaucoup l'hydratation, mais qui pue à la mort. Et là, du coup, maintenant, j'utilise celui que j'avais acheté chez Primark. Donc vous trouverez mon haul Primark. Ici, il est à 3€ parce que le prix est encore noté dessus. Et vous avez dedans 150 ml. Franchement, très 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 bien. Make-up application hydrating et energizing. Et il sent le watermelon, donc la pastèque. J'adore. J'adore, j'adore. Alors ça fait vraiment un effet frais sur le visage avant de vous maquiller. C'est génial. Une fois que c'est bien sec, j'utilise une base. Et j'utilise celle de chez Action. Voilà, la Max & More. Je la trouve vraiment géniale. C'est une base hydratante. Moi, je ne cherche pas plus. J'ai pas trop de pores dilatés. J'ai pas de rougeur et rien. Donc, il me faut juste une base pour mettre une base. Et de l'hydratation. Donc, une base hydratante, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour le prix, franchement, elle est géniale. Ça me fait juste chier de ne pas en trouver d'autres. Parce que depuis que j'ai acheté celle-là, il n'y en avait qu'une en rayon. Donc, je l'ai achetée pour la tester. Et depuis, plus moyen d'en retrouver dans aucun des trois actions que j'ai près de chez moi. Alors on va passer au fond de teint, et là je crois qu'il n'y aura pas de surprise pour celles qui me suivent. C'est le Contouring Define de Révolution, ce truc. Mais alors ce truc, alors j'ai largement hésité avant de le tester parce que Salomé c'est un de ses préférés, je crois d'ailleurs que c'est son préféré. Je le trouvais beaucoup trop couvrant d'après ce qu'elle disait et tout ça, et je me suis dit ça va faire un effet pâté sur ma tronche, j'ai pas envie de ça. Moi, là j'ai le essence qui est tout fluide, moi j'aime bien les fonds de teint assez naturels puisque... j'ai pas d'imperfection, je sers juste à unifier mon teint. Alors j'ai quand même testé, par contre j'ai juste un problème de teint, donc l'embout, c'est un gros embout applicateur comme ça, je me suis juste trompée dans la teinte, donc là vous voyez qu'il est beaucoup trop clair. Pour l'hiver, à la limite ça peut passer avec une petite poudre teintée, mais là maintenant que j'ai pris un petit peu de couleur, je peux absolument plus le mettre. Ça me désole parce que je l'aime vraiment, malgré qu'il est épais et couvrant. Enfin, il n'est pas si épais que ça encore à la limite, hein. Mais malgré qu'il est très couvrant, il est très naturel sur la peau, il se fond vraiment très 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 bien dans la peau, il tient bien. Franchement, gros coup de cœur pour ce fond de teint, et je pense que c'est vraiment mon fond de teint préféré sur les trois que j'utilise, que j'aime. Ensuite, j'ai juste oublié de vous parler avant, quand je fais mon teint, donc une fois que j'ai mis ma base, j'utilise souvent... que j'ai pas fait aujourd'hui, mais la palette de correction toujours de chez Action. Donc j'utilise quasiment que deux teintes, donc j'utilise la teinte juste ici un peu pêche mais vraiment très claire pour mes cernes. J'utilise celle-ci, la mauve, pour j'en mets toujours ici. En fait j'ai deux taches de pigmentation, mais bon c'est dû à mon âge, et j'en ai ici aussi deux et un petit peu ici, donc je les mets en fait je mets du mauve à peu près partout sur ma face. pour cacher ces teintes un peu brunes, et le vert quand j'ai des rougeurs. Donc quand j'avais Roberto, je mettais du vert sur Roberto. Les autres deux teintes, je ne les ai pas testées encore, mais voilà, pour le prix, palette de correcteur super. Ensuite en poudre, là j'en ai deux, donc j'ai racheté, puisque comme la Révolution Pro ne me convenait absolument pas, j'ai racheté celle de chez Catrice parce que je savais que je l'aimais beaucoup. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée puisque j'avais un stock de chez ELF incroyable. Je pense que ça restera mon préféré. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une que j'aimais autant. Donc c'est là, voilà, c'est la Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. C'est une nouvelle texture, mais ça change pas grand chose. Le seul bémol, c'est le tamis qui a une forme de S au milieu, et du coup, le produit a du mal un peu à sortir, surtout au début. Mais bon, la poudre reste d'une bonne qualité. Et donc vu mon problème de teinte de fond de teint, j'ai racheté une poudre colorée, donc j'ai pris une compacte de chez Essence parce que je voulais pas une chère. De toute façon, j'aime pas utiliser des produits chers dans les produits que j'ai tendance à racheter souvent. Du coup, j'ai pris la pastel beige dans les mattifying compact powder de chez Essence. Je vais y arriver, je suis soufflée de parler tellement il fait chaud. Et voilà, donc du coup, je l'ai acheté pour mettre par-dessus mon fond de teint Révolution pour teinter un petit peu. Donc, elle est teintée, mais vraiment, c'est vraiment très clair, hein, c'est pas énorme. Après, une poudre, ça fonce toujours un petit peu le fond de teint, même une translucente, mais moi, je trouve que j'arrive pas à foncer assez le fond de teint, donc je me suis dit, rachète une colorée, tu verras bien. Et c'est celle que j'ai mis aujourd'hui par-dessus, puisque comme j'ai pris un peu de couleur, même par-dessus le essence, je l'ai mis, et c'est un peu mieux. J'ai un cheveu là qui est, hop,
Mais par-dessus les révolutions, c'est plus assez maintenant pour la saison. Je vais vous parler de la base à paupières Pelouis. Donc ça, je vous ai fait un crash test. Un crash test complet, je vous le mets juste ici. Voilà, très bonne base. Je ne vais pas dire que c'est ma préférée parce que je ne vois pas de réelle différence par rapport à la couleur des fards avec la essence que j'ai aujourd'hui. C'est juste que pour moi, elle est tellement plus pratique puisque je peux définir mon sourcil en même temps appliquer ma base et elle est vraiment super opaque. Donc elle camoufle très bien mes petits vaisseaux, ma couleur de cerne et tout ça. J'aime beaucoup. Et en plus, elle n'est pas bien chère. Hein. Je vous ai fait dans le crash test, je vous ai fait tout le comparatif avec les bases connues ou que j'utilise. J'ai d'abord deux palettes révolution. Je vous ai fait les swatch and make-up avec les deux palettes, donc je vous les mets dans le petit i. D'abord j'ai la Tropical Carnaval en collaboration avec Tammy X. J'adore cette palette. J'adore. Ah, je me coince les doigts dedans. Les couleurs sont juste à tomber quoi. Et j'ai fait un make-up avec celui-ci en paupière mobile, celui-ci en coin interne. Oh, j'adore. J'ai même envie de le refaire, donc je pense que je le referai très prochainement. Et ensuite, donc, crash test, enfin, swatch and make-up juste ici. La constellation, je crois que c'est ma... Enfin, non, je crois pas, je suis sûre, c'est ma préférée des quatre. Voilà, il y a pas mal de couleurs dedans. Alors, le rose néon ici, il est néon, il est pigmenté, il n'y a pas de souci. Après, cette couleur-ci reste ma préférée, la Saturne. Donc, c'est un dupe de la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Moi, dans la Riviera, c'était vraiment celle-ci qui me plaisait le plus. Donc là, c'est le dupe limite parfait. Ça me convient très bien. Et voilà, j'adore cette couleur. Et la teinte rétrograde ici aussi, j'aime beaucoup. Et la Jupiter ici aussi. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Pour agrémenter mon make-up, j'ai le Space Panda de Sova Beauty. On se demande à cause de qui je l'ai acheté. Mais c'est un truc de malade. Oh, j'adore ce liner blanc. J'en veux plus d'autres. Je veux que celui-là. Vous pouvez le fluidifier selon vos envies. C'est de la bombe atomique. De la bombe atomique, de toute façon, vous l'avez vu dans beaucoup de mes derniers make-up. Je l'adore. Dans le même esprit, il y a les pigments pommades. Oh là 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 là. Les pigments pommades de Révolution Pro. Donc, je vous ai fait aussi une vidéo complète sur à leur sujet parce que je les aime vraiment beaucoup. Et ici, vous avez mes trois teintes préférées. Donc, vous avez le rose, le turquoise et le jaune. Je les adore. À liquéfier avec le mixing liquide pour vraiment avoir un travail plus souple, plus fluide pour que ça glisse tout seul. Et j'adore. Mon liner, donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Liquid Ink de Essence. Donc c'est un liner fluide, mais alors il est d'une opacité, il est d'une précision, franchement génial. Le pinceau est tout fin et le liner est génial. Franchement, je l'adore. Un crayon noir, donc je cherchais un pour remplacer mon Sephora et j'ai trouvé le Tattoo Liner de chez Maybelline. Et franchement, il est génial, il glisse tout seul, bien pigmenté, il tient bien aux muqueuses. Quoique, bah là ça a coulé en fait, je sais pas pourquoi, j'ai mes yeux qui coulent depuis tout à l'heure, qui me font super mal. Voilà, on se retrouve un peu plus tard vu que j'ai dû recharger ma batterie, du coup j'ai enlevé le t-shirt que j'avais par-dessus parce que j'ai beaucoup trop chaud. Donc je suis en brassière. Donc on en était, il me reste pas beaucoup, en plus c'est ça le pire, c'est que ça a coupé alors que j'ai presque plus rien à vous montrer. On va parler d'un mascara, le Ocean Fill de chez Kiko, donc c'est celui que je porte aujourd'hui avec ma base essence en dessous. Donc c'est celui que vous avez la brosse que vous pouvez laisser longue et vous switchez en dessous pour la faire un peu plus grosse. Donc moi je mets toujours une couche d'abord avec la brosse allongée, ensuite je la curve pour mettre un peu plus de volume. Et j'aime beaucoup ce mascara. Alors il n'a pas détrôné ni égalé mon essence, le I Need a Miracle, qui est un dupe parfait, voire mieux, du Better Than Sex. Mais celui-ci est très bien. Je l'aime beaucoup. Bon c'est une édition limitée, donc je ne sais pas jusque quand vous pourrez le trouver. Pour terminer, en premier.
produit, je suis tombée en amour, mais ça je crois que vous le savez maintenant, ça fait plusieurs fois que j'en parle, des rouges à lèvres Jeffree Star. J'adore. Et les 4 teintes que j'ai, je les adore toutes les 4. Ici j'ai le Christmas Cookie, le Scorpio. Ah non, ici c'est le Deceased, le Scorpio et le Posh Spice. Franchement, je les adore tous les 4. Alors oui, on reste dans les mêmes teintes. Bien que, à part le Deceased et le Scorpio qui se ressemblent pas mal, c'est pas le même. Alors j'arrive plus à prendre pour vous montrer les 4 en même temps. Allez, fais travailler tes doigts, picotes. Voilà, donc vous avez ici le Scorpio et le Deceased, c'est un début, qui se ressemblent vraiment beaucoup, sauf que le Scorpio est un peu plus mauve. Le Posh Spice est un marron très clair, très froid, et le Christmas Cookie est un nude rosé. Voilà, je les adore. Ils sèchent à une vitesse, j'ai jamais eu des rouges à lèvres qui séchaient aussi vite. Ils tiennent d'enfer. Même que je mange si peu que c'est pas trop gras, ça va tenir en place toute la journée et c'est vraiment très rare. Forcément, en fin de journée, ça est un petit peu parti au centre des lèvres, mais je m'en fous. Et pour terminer dans mes favoris, ce sera un petit favori accessoire make-up. C'est tout con, c'est un donut. Alors vous allez me dire, pourquoi je présente un donut dans le truc make-up? Bah tout simplement, je m'en sers, comme vous pouvez le voir ici, pour nettoyer mes pinceaux. Donc, vous avez des boîtes avec la mousse à l'intérieur, c'est la même mousse que ça. Donc des donuts aux actions, vous les avez pour 19 centimes me semble-t-il. Moi j'en ai au moins 7. Et celui-là qui part un petit peu en cacahuète parce qu'il s'effiloche. Donc du coup je l'ai pris et je frotte tout simplement mon pinceau dessus pour enlever les pigments. Et ça fonctionne très bien. Et un tracteur les amis! Petite astuce, si jamais vous voulez un truc pour nettoyer vos pinceaux entre deux applications, ben voilà. Je vous en ai donné une pas chère. Et ben voilà, on a terminé les favoris du moment. Donc vous voyez que j'ai franchement à chaque fois j'ai pas énormément de favoris puisque je tourne tout le temps avec les mêmes produits jusqu'à ce qu'ils soient terminés. En principe, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à garder cette ligne de conduite puisque j'ai quand même 3 fonds de teint entamés et 3 antiserme. Mais j'avais dit que je ne le ferais plus. J'ai 2 mascaras entamés, chose que j'avais dit que je ne ferais plus non plus. Mais je voulais vraiment les tester, surtout que vous adorez et que moi j'adore faire les vidéos où je teste les nouveaux produits que j'ai achetés. Donc forcément, ben, je suis obligée de les ouvrir à un moment ou à un autre. Maintenant, le essence, le mascara essence est presque terminé, donc je vais essayer de terminer au plus vite celui-là. Mon correcteur Révolution est presque terminé, donc je vais essayer de le finir aussi. Mon fond de teint essence, il reste une, voire peut-être 2 applications, après il sera terminé. Donc voilà. Bref, voilà, on se retrouve mercredi avec ce make-up et